Alors, voici ce qui va se passer tout à l'heure. So what is going to take place? Pendant 15 minutes, vous allez m'écouter et me regarder comme si je venais d'une autre planète. You're going to look at me for 15 minutes as though I came from another planet. Après 15 minutes, and after 15 minutes, vous ne serez plus capable de vous asseoir. You will no longer be able to sit down. Vous serez obligé de vous lever et de crier. You will be obliged to stand and et scream. Et après les 25 minutes, and after 25 minutes, vous allez vous demander si vous êtes au ciel ou même si vous êtes à Montréal. You're going to ask yourself if you're in heaven or in Montreal. Parce que l'atmosphère va changer. Because the atmosphere is going to change. Ta destinée va changer. Your destiny will be changed. Ta vie va changer. Your life will change. Je ne te demande pas. I am not lying. Je t'informe. I am telling you. Je ne te demande pas. I am not asking je you. Je t'informe. I am exhorting you. Tu vas sortir d'ici tant différent que tu es entré. You are going to leave this place different than how you stepped in. Ta destinée va changer. Your destiny will be changed. Personne ne sera capable de te reconnaître après ce message. No one will be able to recognize you. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, ça va arriver dans ta vie. If you say amen louder than your neighbor, it's going to happen in your life. De ton amen, the quality of your amen détermine la rapidité de ton miracle. Will determine the rapidity si of your miracle. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, tu seras béni avant ton voisin. If you will say amen louder than your neighbor, you will be blessed before your neighbor. Lève la main et dis fire. Raise your hands. Lève la main et dis fire. Et dis feu. Dis fire. Fire. Dis fire. Fire. Dis fire. Ya ya ya. Fire. Ya ya ya. Dis fire. Ya ya ya. Asseyez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Please be seated. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Give me a few minutes. Et ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 2. And open your Bible to Matthew, chapter 2. Nous allons lire un seul verset ce soir. We're going to read one verse tonight. Matthieu, chapitre 2. Matthew, chapter 2. Le verset 2. Verse 2. Matthieu, chapitre 2. Matthew 2. Le verset 2. Verse 2. Il est écrit. It is written. Pour ceux qui ne le savent pas, Matthieu c'est dans le Nouveau Testament. Matthew is in the New Testament. Matthieu chapitre 2 verset 2. Matthew 2 verse 2. Et dire. And say. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Where is he that is born king of the Jews? Car nous avons vu son étoile en Orient. For we have seen his star in the east. Et nous sommes venus pour l'adorer. And we have come to worship him. Et dire. And say. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Where is the king of the Jews that Car is born? Nous avons vu son étoile en Orient. We have seen his star in the east. Et nous sommes venus l'adorer. And we have come to worship him. À l'occasion de la deuxième soirée de cette conférence. We are in the second night of this conference. Je prêche sur le thème. And I'm preaching on the theme. Avis de recherche. We are looking for him. Wanted. Wanted. Avis de recherche. Wanted. Parce qu'il y a quelqu'un ici. Is there someone here? Qui est longtemps resté dans l'ombre. That has been looking a long time. Après cette convention. After this conference. Dieu te recherche. God will want you. Pour t'établir comme roi dans quelque domaine de ta vie que ce soit. To establish you as a king. Si tu dis amen, c'est à toi que je parle ce soir. If you say amen, it's you I'm talking to tonight. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. God has spoken to me. Il y a quelqu'un qui est recherché ici. There is somebody that is wanted here. Il y a un milliardaire qui est recherché ici. There is somebody wanted here. Il y a un roi qui est recherché ici. There is a king sought out here. Il y a un entrepreneur interplanétaire qui est recherché ici. There is an interplanetary businessman wanted here. Il y a le prochain premier ministre du Canada qui est recherché ici. There is a prime minister of Canada wanted here. Il y a le prochain maire de Montréal qui est recherché ici. There is the next mayor of Montreal sought out here. Ce soir. Tonight, je prophétise. I prophesy. La personne là sera retrouvée au nom de Jésus. You shall be found in the name of Jesus. Écoutez-moi attentivement. Listen to me attentively. La Bible déclare. The word of God says. Que Dieu envoya son fils dans le monde. That God sent his son into the world. Pour sauver le monde. To save the world. Car Dieu a tant aimé le monde. For God so loved the world. Il a donné son fils unique. And he gave his only son. Car deux personnes ont décidé de parler de la vie de Jésus. When others started to speak about the life of Jesus. Quand deux personnes ont décidé d'écrire la vie de Jésus. Four decided to write about the life of Matthieu, Jesus. Matthew. Mark. Mark. Luke. Luke. Et Jean. And John. Ces quatre personnes vont donner quatre figures emblématiques de la personne de Jésus. These four people wrote about the life of the person of Jesus. Lorsque Matthieu va parler. When Matthew will speak. Il va s'adresser aux Juifs. He speaks to the Jews. Afin de les démontrer que Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. To demonstrate that Jesus is the fulfillment of the prophecies of the Old Testament. C'est la raison pour laquelle he is the reason why Matthieu est le livre Matthew is the book qui a le plus de références
références à l'Ancien Testament. That has the most references to the Old Testament. Chaque fois que Jésus va faire quelque chose, every time Jesus does something, Matthieu va ajouter son commentaire. Matthew adds a commentary. Selon ce que le prophète avait dit. According to what that prophet had il said. Il va naître à Bethléem. He will be born in Bethlehem. Selon ce que le prophète avait dit. According to what the prophet il ira à Nazareth. He will go to Nazareth. Selon ce que le prophète avait dit. According to what the prophet had said. D'après Matthieu, because in Matthew, Matthieu s'adresse aux Juifs. Matthew addresses the Jews. Pour expliquer que Jésus est l'accomplissement des prophéties. To explain that Jesus is the fulfillment of prophecy. Lorsque Marc va écrire, when Mark writes, il va s'adresser aux gentils. He speaks to the Gentiles. Il va s'adresser aux païens. He speaks to the pagans. Et il ne parlera pas des prophéties de l'Ancien Testament. He will not speak of the prophecies of the Old Testament. Parce que les païens n'avaient pas de prophéties de l'Ancien Testament. Because the pagans did not have these prophecies. Marc va s'adresser, Mark will address, aux gentils pour leur parler des miracles de Dieu. He will address the miracles of Jesus. La puissance de Dieu. The power of Jesus. En Marc, Jésus est vu comme le serviteur. And in Mark, Jesus is seen as the servant. Et qui est venu accomplir des actions de Dieu. Who has come to fulfill the actions of c'est God. C'est pour ça que le verbe le plus courant dans Marc. This is why the verb that is most common in Mark. C'est le verbe subitement. It is the verb all of a sudden. L'adverbe soudainement. All of a sudden. Parce que l'évangile de Marc est un évangile d'action. Because the gospel of Mark was a gospel of action. Les païens veulent voir Dieu à l'œuvre. Pagans want to see God at ils work. Ils ne veulent pas juste entendre ce que Dieu avait fait au Père. They don't want to just hear what God did. Ils veulent expérimenter Dieu dans leur propre vie. They want to experiment God in their own life. Quand Luc va écrire, for Luke shall write, il va s'adresser à un homme appelé Théophile. He addresses a man called Theophilus. Pour présenter Jésus, to present Jesus, comme le Fils de l'homme, as the Son of Man. Et quand Jean lui va clôturer, and he's going to continue in John. Quand Jean va clôturer, and John is going to close. Il va dire au commencement de la parole. He's going to say in the beginning. La parole était avec Dieu. And the word was et la with parole God. Était Dieu. And the word was elle était au commencement avec Dieu. It was in the beginning with God. Toutes choses ont été faites par elle. All things were made by him. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Was made was made en elle était la vie. He had life. Et la vie était la lumière des hommes. Life was the light of men. Il y a un homme envoyé de Dieu. There was a man sent son of nom God. Était Jean. His name il was John. Pour servir de témoin. And he testified of pour servir de témoignage à la lumière. He was used as a testimony. Il n'était pas la lumière. He was not the light. Il va pour rendre témoignage. He came to give la lumière, the truth of the cette light. Lumière, this light était la véritable lumière. It was the truth qui venait dans le monde. That was coming et into the world. And it was giving light to elle all men. Elle est venue chez les siens. It was coming et les ne l'ont pas reçu. And his own did not receive him. But à tous ceux qui l'ont reçu, to those who received elle a donné them, le pouvoir. He gave power de devenir enfant de to Dieu. Become sons of God. Les personnes ni de la chair, not born of the flesh, ni de la volonté de l'homme, nor of the ni de la volonté de la chair, nor of the will of the flesh. But born of et le verset 14 va clôturer. Verse 14 says, et cette parole a été faite chair. This word became elle flesh. Elle habitait parmi nous. It lived among us. Pleine de grâce et de vérité. Full of grace and truth. Nous avons contemplé sa gloire. And we have contemplated his glory. La gloire du Fils unique venu du Père. The glory of the only one of the Father. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Listen to me, ladies and gentlemen. Je vais parler de ce que Matthieu a dit. I can speak of what Matthew said. Je vais m'accorder sur Matthieu. I cannot accord it to Matthew. Parce que c'est dans Matthieu. So because in Matthew, Jésus Jesus est au-dessus de la religion. Is above religion. C'est dans Marc. If in Mark, Jésus Jesus est au-dessus de la tradition. Is above tradition. Et dans Luc, and in Luke, Jésus Jesus est au-dessus de la science. Is above science. En Jean, in John, Jésus est au-dessus de la philosophie. Jesus is above philosophy. Oh my God. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. He's above all those things. Mais ce qui va faire l'objet de mon intervention, and what will make the object of my attention, ça sera sur la vie de recherche. It will be on the wantedness. Je parlerai des six secrets. The six secrets qui sont capables de t'amener à une vie sans limite. To bring you into a life without limits. Il y a six secrets. There are six secrets. Il y a six clés. Six keys qui peuvent t'amener à une vie sans limite. That can bring you into a life without limits. Pendant les quelques minutes qui viennent, and in the few minutes I have, nous allons voyager dans ces clés. We are going to travel in these keys. La Bible dit quand Jésus est né, the Bible says that when Jesus was born, les anges ont voyagé. The angels traveled. Et ils ont posé la question. And they asked the question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? The magi traveled and they said, where is the king of the Jews? Ah, nous avons vu son étoile. For we have seen his star. Et nous sommes venus là. And we have come to worship him. Cette seule phrase, that simple
powerful phrase. Introduit une question dangereuse. It was a dangerous phrase. Dites avec moi question dangereuse. It was a dangerous phrase. Lève ta main et dis question dangereuse. Lift your hands and say a dangerous question. Est-ce que tu peux dire plus fort? Say it louder. Est-ce que tu peux dire encore plus fort? Question dangereuse. Dangerous question. Cette question va introduire six secrets. This question will introduce six keys. À partir duquel nous allons parler d'une vie illimitée. From which we will speak of an unlimited life. La première chose. The first thing. C'est que la Bible dit que les mages viennent à Jérusalem. The Bible says the mages came to Jerusalem. Et ils vont vers le roi Hérode. And they go towards King Herod. Et ils posent la question. And they ask the question. Où est le roi des Juifs? Where is the king of the Jews? Who comes and is just born? Excusez-moi. Excuse me. Personne ne peut voir un roi. But nobody can see a come to et see a king. Demande au roi. And ask a king. Où est le roi? Where is the king? Tu ne peux pas venir à Montréal. You cannot come to Montreal. Tu ne peux pas venir au Canada. You cannot come to Canada. Tu peux voir le premier ministre du Canada. And you go see the Prime Minister of Canada. Et tu lui demandes où est le premier ministre du Canada. And you say to him, where is the Prime Minister of Canada? Tu ne peux pas arriver en Afrique du Sud. You cannot go to South Africa. Tu rencontres le président de l'Afrique du Sud. And you meet the president of South Africa. Et tu lui demandes où est le président de l'Afrique du Sud. And you say, where is the president of South Africa? La question là veut dire une chose. The question means one thing. Ça veut dire que celui qui est là devant toi. The one that is there before you. N'est pas reconnu par le ciel comme étant le président. He is not recognized by heaven as the president. Ils ont dit à Hérode. They said to Herod. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Where is the king of the Jews that is born? Ça veut dire que toi. That means you. Qui dit que tu es le roi des Juifs? Who says you're the king of the Jews? Tu n'es pas le roi. You are not the king of the Jews. Si le roi des Juifs vient de naître, if the king of the Jews is just born, ça veut dire que toi, tu n'es pas le roi des that Juifs. Means you are not the king. Ça veut dire quoi? You are what? Tu es reconnu par les hommes. You are recognized by men. Tu n'es pas reconnu par le ciel. But you are not recognized by ça God. Ça veut dire que tu occupes une place. So the Bible gives a place. Tu occupes une place. God occupies a place. Qui n'est pas ta place. That is not your place. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. But ladies and gentlemen. Plusieurs personnes aujourd'hui. Many people today. Plusieurs d'entre vous qui me regardez. Many of you looking at me. Il y a quelqu'un qui occupe ta place. There is somebody occupying your position. Il y a quelqu'un qui occupe ta place. Somebody is occupying your position. Après cette soirée, after this night. Tu vas récupérer ta place. You are going to recover your position. Si tu dis amen fort, you don't say amen loud, say it loud. You are going to recover your place. Amen, amen. Tu vas récupérer ta place. You will recover your place. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Where is the king of the Jews that is born? Ça veut dire que le ciel ne le reconnaissait pas. Heaven did not recognize him. La mauvaise personne au bon endroit. The wrong person in the right place. La mauvaise personne au bon endroit. The wrong person in the right place. L'écriture déclare. And you declare. L'écriture déclare. The scriptures declare. J'ai vu une abomination sous le soleil. I seen the domination under the sun. J'ai vu les princes aller à pied. I seen the princes go to et him. Et j'ai vu les esclaves sur les chevaux. And I seen slaves on horses. Écoutez-moi très bien. Listen to me clearly. La tragédie de l'église aujourd'hui. The tragedy of the church today. C'est que nous avons laissé le trône. Is that we have left the throne. Et nous sommes en train de nous battre dans les églises. And we are fighting in the churches. Le pouvoir n'est pas au sein d'une assemblée. And power is not in the heart of an assembly. Il faut aller dehors occuper le trône. We must go out into the world. Écoutez-moi très bien. Listen to me. Il y a quelqu'un qui est assis à ta place dans un bureau. There is somebody sitting at your place in an office. Il y a quelqu'un qui utilise ton hélicoptère. Somebody is using your helicopter. Il y a quelqu'un qui utilise ton bateau. Somebody is using your boat. Mais ce soir, but tonight, toute personne qui utilise l'argent qui te revient, everybody is using your stuff is going to come back to you. Pendant que tu lèves la main, tu dis amen. When tu récupères ta place. You say amen. Tu récupères ta place. Tu récupères ta place. You cannot be in your place. Tu récupères ta place. You are recovering your tu place. Tu récupères ta place. You are recovering your place. Quelle est la première clé? The first key. Quelle est la première clé? What is the first key? La première clé, c'est reposséder son trône. The first key is to repossess your throne. Reposséder son trône. Repossess your throne. L'église
L'église n'a jamais, Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous amener directement au ciel. Jesus did not come to the earth pour nous amener directement au ciel. Jesus did not come to bring us directly to heaven. No. La Bible n'a pas été écrite pour nous amener au ciel. The Bible was not written to bring us to heaven. Jésus est mort pour nous amener au ciel. Jesus died to bring us to heaven. Mais il a vécu pendant 33 ans pour nous montrer comment faire descendre le ciel sur la terre. He lived for 33 years to show us how to bring down heaven. Personne n'a le droit d'aller au ciel. No one has the right to go to heaven. Sans d'abord amener le ciel sur la terre. Without having brought heaven upon the earth. Quelle est la garantie que le ciel est rempli d'or et d'argent et de diamants? What is the guarantee that heaven is full of gold and riches? Et que Dieu a préparé ça pour toi? And that God has prepared this for you. S'il ne peut pas te donner une petite partie d'abord sur la terre. If he cannot give you something upon the earth. Tout homme avec qui tu es fiancé, every man to whom you are fiancée to, et qui refuse de donner l'argent alors qu'il est millionnaire, and refuses to give money while he's a millionaire, ce n'est pas quand vous serez marié qu'il va te donner. It's not when you're married that he's going to give it to you. C'est déjà dans les fiançailles qu'on voit si la personne est généreuse ou pas. It's already in the engagement that we see if the man is generous or not. Quelle est la garantie que Dieu va me donner le diamant au ciel? What is the guarantee that you will give me the diamond in heaven? Il ne peut pas me donner l'or sur la terre. If you cannot give it to me upon the earth. À partir d'aujourd'hui, starting from today, ce qui t'appartient, everything that belongs to you, et qui est entre les mains de quelqu'un d'autre, and that is in the hands of someone je else, je récupère et je te le renvoie. And I send it to you. Je récupère et je te le renvoie. And I send it. Si tu dis amen fort, tu récupères cela aujourd'hui. You are recovering it today. Écoutez-moi bien. Listen to me. C'est ça le problème de Joseph. This is the problem of Joseph. Pharaon a dit à Joseph. The father said to Joseph. Pharaon. Pharaoh said to Joseph. Que je te donne tout le pouvoir sur l'Égypte. I give you all the power on Egypt. Mais le trône. But the throne. M'appartient. It's mine. Et Joseph a accepté. And Joseph accepted. Mais quand Joseph est mort. But when Joseph died. Tous ses enfants et ses neveux et ses cousins ont été pris en esclavage. Every one of his children and nephews all ended up in slavery. Parce que c'est le trône qui détermine tout. Because the throne determines everything. Tu peux avoir le pouvoir. You're going to have the power. Mais si tu n'as pas le trône. But if you don't have the throne. Tu es fini. You're done. Oh, la réforme sociétale. In societal reform, c'est ramener l'église à occuper le trône. It's bringing back the church to the throne. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est ramener l'église à occuper le trône. It's bringing back the church to occupy the throne. Ce n'est pas t'amener à tomber. It's bringing the church back to dominate. Ce n'est pas t'amener à tomber sous l'onction. It's not bringing you to fall on the anointing. Si tu tombes sous l'onction, if you fall under the anointing, et après tu pars, and after you go, il n'y a pas l'argent qui tombe dans ta carte de crédit. There are not money that fell in your debit card. Pourquoi donc tu es tombé? Why did you fall? L'objectif final. So I say, c'est le résultat. It's the result. Quand tu viens à l'église comme ça, oh, when you're in the church like this, et tu es rempli d'onction et de puissance, and you're full, et quand tu sors d'ici là, and when you go out of c'est here, pour avoir une idée qui va révolutionner le monde. It's to have an idea that's going to revolutionize the world. Je déclare, I declare, dans la vie de 42 personnes, in the life of 42 people, tu sors d'ici ayant récupéré ton trône. You're coming back to recover your throne. Celui qui dit amen fort récupère le trône aujourd'hui. Somebody who says amen is going to tu dis amen fort, tu récupères le trône aujourd'hui. Asseyez-vous une minute. Sit down. Pourquoi on est insulté dans l'église ou dans le monde? Pourquoi les églises de réveil sont insultées? Why are churches insulted? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de puissance. It's not because we don't have mais power. C'est le manque de trône. It's the lack of throne. Il y a de cela quelque temps. There was a time. J'ai envoyé mon pasteur rencontrer le maire d'une ville. I sent my pastor to meet the mayor of a city. Pour lui demander la permission pour organiser une croisade dans la ville. To ask him the permission to have a church in the city. Le maire a regardé mon pasteur. And the mayor looked at the pastor. Et a dit, je connais les catholiques. He says, I know the Catholics. Je connais les musulmans. I know the Muslims. Je connais les protestants. I know the Protestants. Vous êtes qui? You? Who are you? Je ne vous donne pas. I'm not lying. Il a renvoyé mon pasteur. He sent away my pastor. J'ai renvoyé encore le pasteur. I send the pastor again. Va lui dire que c'est le général de Dieu. Tell him that it's the general of God. Docteur Dieu ne doit comme them.
Dr. Judah condemned. Il est parti. He went. Le maire a dit, qui est cet homme? Je ne le connais pas. And the mayor says, I don't know this man. Moi-même donc j'ai démarré ma voiture. So I started my car. Avec mon chauffeur et mon ma secrétaire. With my driver and my secretary. Je suis arrivé dans le bureau du maire. And I went into the office of the mayor. La secrétaire était là, elle dit que le maire est occupé. And she said, the mayor is busy. J'ai dit, personne n'est occupé devant moi. And I said, nobody is busy in front of me. J'ai ouvert la porte. I opened the door. Le maire était avec son assistant. And the mayor was with his assistant. Son assistant était musulman. And his assistant was a Muslim. Quand j'ai dit, mais qui vous a dit d'entrer? And he said, who told you to come in? J'ai dit que si Dieu ne m'a pas fermé la porte, toi tu es qui pour me fermer la porte? I said, if God didn't close the door, who are you to close my door? Who are you? Who are you? Dieu ne me ferme pas la porte. God did not close me the door. J'ai dit, en tout cas, je me présente, révérend docteur John Odom, général de Dieu. And I introduce myself. I'm Dr. Camden, general of God. Et je suis venu dire que j'organise une croisade dans deux semaines ici. And I came to tell you that we're doing a crusade in 2 weeks here. Signe le papier ici. Sign the paper here. Il me regarde. He looks at me. Il dit, petit. He says, hey, small boy. Are you okay? Il dit, petit garçon. Are you okay? Non, il dit, petit garçon. He says, little man. Est-ce que ça va dans ta tête? Have you lost your head? C'est toi qui m'as mis ici. You came here. C'est toi qui m'as mis ici. Are you the man who put me here? Je ne signe pas. I am not. Even même sur mon cadavre. Even on my cadaver. Je ne signe pas. I am not signing. Je lui ai dit, tu as parlé. I said, you spoke. Je reviens dans une semaine, tu ne seras plus là. I am going to come back in 1 week, you will not be Et there. Je suis parti. And that's how he left. 5 jours après, 5 days later, le maire est mort de crise cardiaque. The mayor was dead of a heart attack. C'est sorti dans les journaux officiels. It came out in the newspapers. Quand m'a mené le journal, je suis retourné à la mairie. And when I saw the newspaper, I went back to the mayor. J'ai dit à la secrétaire, tu me connais? I said to the secretary, you know me? Ah, c'est toi le pasteur qui est venu ici la semaine passée. You said you're the pastor who came last week. Je dis oui. I said yes. Le maire est mort, n'est-ce pas? The mayor is dead. Je dis oui. Yes, où est son assistant? I said, where is his assistant? On dit qu'il est là-bas. He said, he's there. Je suis allé voir l'assistant. I went and see the assistant. Tu me reconnais? I said, do you recognize me? Il c'est toi qui es venu dire que le maire va mourir. You're the one who said the mayor is going to die. Je dis oui. I said, yes. Toi, tu signes ou bien tu veux suivre le maire là où il est pas? I said, now you're going to sign or you're going to follow the mayor. Il m'a regardé. He looked at me. Il a dit, kawalai. He said, il a dit en musulman. He said, I'm a Muslim. Il dit que je suis musulman. He said, I'm a Muslim. Je n'ai rien contre vous. I have nothing against you. Si tu veux l'autorisation, je donne. If you want the authorization, I give it. Si tu veux même la lumière, je donne. If you want lights, I give it. Si tu veux les chaises de la mairie, je donne. If you want the chairs, I'm going to give you the chairs. Moi-même, je serai assis au premier rang. I will be sitting in the first row. Pour t'écouter parler. To listen to what you're going to say. Je prophétise dans ta vie. I prophesy in your life. Tu vas occuper ton trône. You are not going to regret. Tu vas occuper ton trône. You will occupy your tu vas occuper ton trône. You will occupy your celui qui saute et dit Amen. Quelqu'un dit fire. Somebody say fire. Dit fire. Fire. Dit fire. Fire. Lève-toi et dis j'occupe mon trône. Say I will occupy my throne. Dis-le fort, j'occupe mon trône. I will occupy my throne. Assois-toi, assois-toi. Croise les pieds. Assois-toi, tu croises les pieds. Tu dis j'occupe mon trône. Croise les pieds. Cross your legs. Say I occupy my throne. Commence à prophétiser j'occupe mon trône. Dis j'occupe mon trône. I occupy pendant my throne. Que tu prophétises. Prophesy it. Continue à parler. Say it. Keep pendant que it. Tu prophétises. While you prophesy, je te vois changer de niveau. I see you changing level. Je te vois changer de niveau. I see you changing level. Je te vois changer de niveau. I see you changing level. Je te vois changer de niveau. I see you changing level. Je te vois changer de niveau. I see you changing level. Je te vois changer de niveau. I see you changing level. Je te vois changer de niveau. I see you changing level. Quelqu'un dit Amen. Somebody say Amen. La deuxième chose. Second thing. La deuxième chose. The second thing. Qui rend la question dangereuse. That makes the question dangerous. Et qui est le deuxième secret pour aller. And the second secret. La Bible dit. The Bible says. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Where is the king of the Jews that is born? Quoi? What? Quoi? What? Où est le roi des Juifs? Who is the king of the? Where is the king of the Jews? De naître? That is just born. Excusez-moi. Excuse me. Je n'ai que 3 doctorats. I have 3 doctorates. Mais je ne connais pas. But I don't know. Quelqu'un un jour qui est né roi. That is, there is somebody born a king. On ne naît pas roi. We are not born a king. On est prince. We are born prince. Et on devient roi. And we become king.
Ils n'ont pas dit où est le prince des Juifs. They did not say where is the prince of the Jews. Ils ont dit où est le roi des Juifs. They said where is the king of the Jews. Jésus est la seule personne. Jesus is the only one. Qui est né ce qu'il allait devenir. Who is born what he was going to become. Il est né ce qu'il allait devenir. He is born what he was going to become. Il est né roi. He is born king. Est-ce que tu sais? Do you know? Qu'à ta naissance, in your birth, tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir. You already have everything you need to succeed. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. You have everything you need to succeed. Que personne ne t'influence. Your place of influence. Que personne ne t'influence. May no one influence you. Que personne ne te retienne en arrière. May no one hold you back. Tu as dans ta vie. You are in your life. Tous les ingrédients spirituels. All the secrets spiritually. Pour devenir une star dans ce monde. To become a star in this world. Et je déclare dans ta vie. And I declare in your life. Tu vas réussir au nom de Jésus. You will succeed in the name of Jesus. Si tu dis amen fort, tu vas recevoir quelque chose. If you say amen, say it loud. Tu dis amen fort, tu vas recevoir quelque chose. Say loud. On entend les gens dire. We hear people saying. Oh, apôtre, je n'ai pas réussi parce que je n'ai personne pour m'aider. Oh, pastor, nobody, I'm not going to make it. Nobody's helping me. Je n'ai personne pour m'aider. I have nobody to help me. Tu n'as personne, tu n'as pas besoin de quelqu'un. You don't need someone. Le syndrome de Bethesda. What is the man at Bethesda? Le syndrome de la piscine de Bethesda. The syndrome of that person at the Bethesda, the pool of Bethesda. At the pool of Bethesda. C'est que l'homme disait, je n'ai personne. He was saying, there's nobody. That's what he was saying. I have nobody. Je n'ai personne. I don't have anybody. Je n'ai personne. I don't have anybody. Pendant 38 ans. And at 48 years. 38 ans. At 38. Pendant 38 ans. For 38 years. Il était couché parce qu'il n'a personne. He was lying down because he had nobody. Jusqu'au jour. Until the day. Jésus le rencontre. Jesus looked at him. Qu'est-ce que tu fais ici? And he said, what are you doing there? D'après l'agenda du ciel. Looking at the heavens. Tu devais être guéri depuis. You should have been healed from a long time ago. D'après l'agenda du ciel. According to God's agenda. Tu devais être délivré depuis. You should have been healed a long time ago. D'après l'agenda du ciel. According to the agenda of tu God. Tu devais être marié depuis. You should have been already married. D'après l'agenda du ciel. According to the agenda tu of God. Tu devais être milliardaire depuis. You should have been a millionaire already. Qu'est-ce que tu fais encore? What are you doing there? Il dit, je n'ai personne. And he said, I don't have anybody. Jésus le regarde. And Jesus looked at him et dit, and said, tu n'as besoin de personne. That he doesn't need anybody. Lève-toi. Get up. Lève-toi. Get up. Prends ton lit. Take your bed. Et commence à and marcher. Walk. Et commence à marcher. And start to et walk. Commence à and begin to walk. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Listen. Jésus n'a pas prié pour lui. Jesus did not take the bed. Jésus n'a pas prié pour lui. Jesus did not pray for him. Jésus n'a pas prié pour lui. He did not pray for him. Il a commandé de poser une action. He commanded him to make an action. Et c'est pour ça que j'aime action. And that's why I like action. Parce que ce sont les actions qui vont déterminer. Because it's actions that will determine. Je suis désolé. Jesus, je suis désolé. I am sorry. Le livre des Actes des apôtres ont été écrit. Book of the Acts of the Apostles was written. Pas parce que les apôtres ont pensé. Not because the apostles thought. Pas parce que les apôtres ont prié. Not because they prayed. Sinon, ça serait la prière des apôtres. Because it would have been of the apostles. Ça serait les pensées des apôtres. It would have been the thoughts of the apostles. Mais on appelle ça les actes. But they didn't call it the thoughts, they called it the act. Parce qu'ils sont agis. Because they acted. Ils ont posé des actions. They posed actions. Et nous sommes dans un ministère d'action. And we are in a ministry of action. Et je déclare. And I declare. L'action sera posée dans ta vie au nom de Jésus. Action will be pressed in your life in the name of Jesus. Si tu dis amen plus fort, tu reçois la chose. If you say amen, say it even louder. C'est quoi donc la deuxième clé? What is the second key? Découvre ce pourquoi tu es né. Discover why you are born. Et accomplis-le. And accomplish it. Découvre ce pourquoi tu es né. Discover what you were born for. And fulfill it. Tu ne peux pas tout faire dans cette vie. You cannot do everything in this life. Il y a quelque chose que tu as été créé pour faire. There is something you were created to do. Il y a quelque chose que tu as été mandaté pour faire. Something that you were mandated to do. Excusez-moi. Excuse me. Tant que tu ne découvres pas ça.
Tant que tu ne découvres pas ça, till you don't discover it, tu vas t'embrouiller dans la vie. You are going to be lost in life. Tu seras perdu dans la vie. You're going to be lost in life. Tu ne peux pas mesurer les animaux au même niveau. You cannot put the animals all on the same level. Si tu veux mesurer les animaux par leur capacité à monter sur l'arbre, if you want to measure animals by their capacity to go up a tree, c'est que tu vas dire que le singe est le plus intelligent de tous les animaux. You're going to say that the monkey is the most intelligent of them all. Mais prends-les, tu les mets dans l'eau. But put them in the water. C'est le poisson qui sera le plus intelligent. And it is the fish who is the most intelligent. Prends-les, tu les fais courir. And make them run now. C'est le léopard qui sera le plus intelligent. And it is the leopard that will be the most intelligent. Chacun est fort dans son domaine. Everyone is strong in their domain. Chacun est fort dans son domaine. Every one of them is strong in their domain. Est-ce que tu connais ton domaine? Do you know your domain? Est-ce que tu connais ce pourquoi tu es né? Do you know why you're born? Lionel Messi est né pour jouer au football. You were born for Lionel Messi. Lionel Messi. Né pour jouer au football. He was born for soccer. Oprah Winfrey est né pour faire le talk show. Oprah Winfrey was born for talk shows. C'est pour ça qu'elle fait l'argent avec That's ça. That's why she's making money with it. Usain Bolt est né pour courir. And Usain Bolt was born to run. C'est pour ça qu'il fait l'argent avec. That's why he's making money with it. Camden Nkajulono est né pour prêcher. Camden Nkajulono was born to preach. C'est pour ça qu'on l'invite à Action et on paye son billet d'avion première classe et il vient prêcher. That's why finances come to me. Tu es né pour faire quoi? You are born for what? Quand tu regardes la porte, when you look at the apostle, tu sens qu'il est né pour ouvrir la porte pour les destinées des gens. You know that he was born to open the doors of destinies for people. C'est clair. Il est né pour ouvrir la porte. He's born to open doors. Je lui ai dit un jour. I told him the other day. Tu es né avant ton temps. You were born before your time. Tu es 20 ans au-devant de nous. You are 20 years ahead of us. 20 ans au-devant. 20 years ahead. C'est des choses que tu fais maintenant, c'est dans 20 ans que les gens vont comprendre. There's things you want now, it's in 20 years people are going to understand. Heureusement que je suis ton petit frère. And I'm glad. Heureusement que je suis ton petit frère. It's a good thing I'm your younger brother. C'est bon comme je suis ton petit frère. It's good that I'm your young brother. Dans 20 ans, je vais bénéficier de ce que tu fais. So that in 20 years, I can benefit from what you're doing. Quelqu'un dit amen. Somebody say amen. Si tu dis amen fort, toi aussi tu vas bénéficier. Say it loud so that you can benefit. Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit hey. Demande à ton voisin, tu es né pour faire quoi? Tell your neighbor you were born to do. Demande-lui encore, le voisin là n'est pas un bon voisin, change de voisin. Demande à un autre voisin, tu es né pour faire quoi? What were you born for? Frère, il y a un homme dans la Bible. There's a man in the Bible. Il y a un homme dans la Bible. There's a man in the Bible. Qui s'appelait Jean-Baptiste. Who was called John the Baptist. Quand je regarde Jean-Baptiste, when I look at John the Baptist, la manière dont il a commencé, the way he started, et la manière dont il a fini, and the way he finished, j'ai envie d'arrêter Jean-Baptiste. I feel to be like John the Baptist. J'ai envie de l'arrêter. I would feel like to stop him. Tu arrêtes. J'ai le goût de l'arrêter. Tu arrêtes. De lutter avec lui. And to battle with him. Jean-Baptiste. John Baptist. Le gars qui a présenté Jésus. The man who presented Jesus. Au le point de mourir, dit, es-tu le Messie ou devant And la then terre? Before dying, saying, are you the Messiah or the one to come? Je peux vous choquer. Can I shock you? Jean Baptiste. John the Baptist. Est mort avant son temps. Died before his time. Oui. Yes. Je peux vous choquer. I'm going to shock you. Quand Jean-Baptiste est venu, John the Baptist came avec l'esprit et la puissance d'Élie. With the spirit and the power of Elijah. L'esprit et la puissance d'Élie. The spirit and the power of Elijah. Comprenez bien. Understand. Quand Jezabel a menacé Élie, when Jezebel came to threaten Elijah, la Bible dit Élie a fui dans le désert. The Bible says that Elijah fled in the desert. Le désert, le seul endroit où l'esprit de Jezabel ne pouvait pas le toucher. The desert is the only place where the spirit of Jezebel could not touch him. C'est la raison pour laquelle quand Jean Baptiste vient, this is why when John the Baptist comes, lui-même il peut rester dans le désert. He cannot stay. He has to stay in the desert. Et tant qu'il était dans le désert, and as long as he was in the desert, tout marchait dans sa vie.
Everything was working in les his life. Voyageaient pour l'écouter. People were coming to see him. Un jour, one day, Jean-Baptiste a dit, je suis fatigué de rester dans le désert. John the Baptist says, I'm fed up of the desert. Il a voyagé pour aller en ville. And he voyaged to go into the city. Il a voyagé pour aller à Montréal. He went to Montreal. Il a voyagé pour aller à Paris. He went to Paris. Arrivé là-bas. And when he got there, il a vu Hérode et Hérodias. He saw Herod and Herodias. Il a commencé à devenir conseiller matrimonial. And he became their marriage counselor. Qui lui a dit d'être conseiller matrimonial? Who told him to be a marriage counselor? Il n'est pas né pour être conseiller matrimonial. He was not born to be a marriage counselor. Il est né pour préparer le chemin he du was Seigneur. Born to prepare the way of the Lord. Et il a commencé à dire, and he began to say, Hérode, Hérode, Herod, il n'était pas permis de prendre Hérodias pour femme. You are not allowed to take Herodias as wife. Maintenant, écoutez, now listen, l'esprit de Jézabel, the spirit of Jezebel, qui avait en Hérodias, that was in Herodias, a reconnu l'esprit d'Élie. Recognize the spirit of Elijah, qui avait en Jean-Baptiste, that was in John the Baptist. Rappelez-vous. Listen, rappelez-vous, remember que Jezabel avait dit, that Jezebel had said, comme Elie a tué les prophètes, as Elijah killed the prophets, je vais aussi couper la tête de lui. I'm going to cut his head also. Des années plus tard, years later, quand l'esprit de Jezabel, when the spirit of Jezebel, a reconnu l'esprit d'Elie en Jean-Baptiste, recognized the spirit of Elijah, elle a demandé à Hérode, and said to Herod, présente-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Give me the head of John the Baptist on a platter. Et c'est comme ça qu'on a tué Jean-Baptiste. Je prophétise aujourd'hui. I prophesy today. Tu ne mourras pas avant ton you temps. You will not die before your time. Tu ne mourras pas avant you ton temps. You will not die before your time. Tu ne mourras pas avant ton temps. You will not die. Je dis, tu ne mourras pas avant ton temps. You will not die before your si time. Si tu dis amen fort. Say amen loud. Asseyez-vous une minute. Quelqu'un dit hey! Hey! Quelqu'un dit hey! Hey! Jean-Baptiste! Jean-Baptiste! John the Baptist! Qui a pourtant bien commencé. Who had started very well. Vous savez, he said, que lorsque il avait demandé un signe, when he asked a sign, comment reconnaître le Messie qui va venir? How to recognize the Messiah who was coming? La Bible dit, the Bible says, Dieu lui a dit, une colombe va descendre. God said, a dove shall land upon him. Et quand il baptisait Jésus, and when he was baptizing une Jesus, colombe est descendue. Et dove came upon. D'où venait la colombe? Where was the dove coming from? D'où venait cette colombe? Where was this dove coming? Il faut revenir dans Noé. You have to go back to Noah. Lorsque Noé l'arche, l'eau a commencé à descendre. When Noah's ark, the ark was going down. Noé a fait sortir le corbeau qui est parti. Noah had sent out the dove. Il a fait sortir la colombe. And he made the dove go. La Bible dit la colombe est partie. And the Bible says the dove went. Et la colombe n'est plus revenue. And never came back. Exode, pas de colombe. Lévitique, pas de colombe. No. Leviticus, pas de colombe. Speaks of numbers, numbers speaks of doves. Pas de colombe. No, no doves. No doves. No more doves. Jusqu'à Malachi. Up to Malachi. Où est partie la colombe là? Where was this dove? Où est partie la colombe? Where did the dove go? Quand Jésus est entré dans les eaux du baptême, when Jesus went into the waters of baptism, il s'est rendu compte que le ciel était fermé. He noticed that heaven was closed. Et qu'il y avait une colombe qui voulait descendre. But he saw la colombe que Noé avait jetée. The one that Noah had sent. Le signe de l'arc en sel devait être renouvelé. The sign that the ark of the et Jésus a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, and he said, pendant qu'il priait, while he was praying, le ciel s'est ouvert, heaven opened, et la colombe est descendue, and the dove came down. Je suis venu dire à quelqu'un, I have come to tell someone, il y a une prophétie qu'on avait dit dans ta vie. There was a prophecy that we said a long time ago. Ça va s'accomplir avant la fin de cette année. It's going to be fulfilled before the end of this year. Est-ce que tu sais que c'est ton amen qui valide la prophétie? Si tu dis amen fort, ça va arriver. You say amen loud, it will take place. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, ça arrive avant. You say amen louder than your neighbor, it's going to be done. Quelqu'un dit yeah 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 yes. Hey. Dis yeah 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 yes. Hey. Quelqu'un dit hey. Tu viens de dévier la maladie. You just dodge. Tu viens de dévier les problèmes. You dodge some tu viens de dévier les plans du diable. Just dodge si tu dis amen fort, je vois ça arriver. Amen. Quelqu'un dit yes. Yes. Fais comme ça, yes. Yes. Fais yes. Yes.
Tu ne fais pas comme moi, regarde-moi. Fais yes. Ça veut dire que tu as gagné quelque chose. Dis yes. Dis yes. Assois-toi une minute. Sit down and be blessed. Quelqu'un dit amen. Somebody say amen. Troisième point rapidement. Third point. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Can I speak to someone? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Can I speak to someone? Nous avons vu son étoile. We have seen his star. Je suis sur un seul vaisseau. Je suis sur un seul verset. I am saying. Je suis sur one. I am just in one verse. Je suis sur un verset. Nous avons vu son étoile. We saw his star. Personne ne peut être célébré dans ce monde sans qu'on ne voie son étoile. Nobody can be celebrated in this world if we don't see his star. La vie ne dépend pas du travail du. Life does not depend on the work. La vie dépend de ton étoile. The life belongs, it depends on your star. Quelment est ton étoile? What is your star? Est-ce que ton étoile brille? Is your is your star shining? Une souris en Haïti. A mouse in Haiti ne deviendra jamais un lion à Montréal. Will never become a lion in Montreal. Jamais. Never. Ce n'est pas parce que tu as changé de lieu géographique. Just because you changed geographical location. Que ta vie a changé. Doesn't change anything. No. En fait, les démons n'ont pas peur de l'avion. Demons are not scared of planes. Même la malédiction n'a pas peur de l'avion. They're even curses not scared of planes. Pendant que tu voyages en classe économique, la malédiction est en business class. While you are going in economic class, the curse is in business class. Et quand tu arrives à l'aéroport Jean Trudeau, il dit bienvenue. Quel est le programme de la neige aujourd'hui? And when you get to Pierre-Éliott Trudeau Airport, it says, "Welcome to the problems of Montreal." Tu ne te maries pas parce que tu n'es pas belle. You don't get married. You don't not get married because you're not cute. No. No. On ne se marie pas parce qu'on est belle. You don't get married because you're beautiful. Ton mariage ne marche pas parce que tu n'es pas belle. Your marriage is not functioning because you're not good on looking. On se marie parce que l'étoile du mariage est là. We get married because the star of marriage is there. Si ou non, pourquoi tu n'es pas encore marié? If you don't believe it, why are you not married? Alors que tu es belle. While you're beautiful. Alors que tu es beau. While you're good. C'est une question d'étoiles. It's a question of stars. La vie dépend des étoiles. Your life it depends on stars. Quand ton étoile brille, on te célèbre. When your star is shining, we celebrate you. Et ton étoile ne brille pas. If your star is not shining, tu vas travailler. You're gonna work and work. Et rien ne va marcher dans ta vie. Nothing is gonna work in your life. Tu m'as dit, God said to me, il y a 63 personnes ici là. There are 63 people. Ton étoile va briller à partir d'aujourd'hui. Your star will shine starting from today. Ça va briller à partir d'aujourd'hui. He will begin to ça va briller à partir d'aujourd'hui. It will shine ça va briller à partir d'aujourd'hui. It will shine starting from today. Quand ton étoile brille, when your star shines, tu n'as pas besoin d'effort. You don't need effort. Tu n'as pas besoin. You don't need. Esther n'avait pas les papiers. Esther didn't have any papers. Elle n'avait pas les papiers. She did not have the papers. Mardochée avait dit, tu n'as même pas de carte d'identité. Mordecai said, you don't even have identity cards. Tu n'as même pas l'acte de naissance. You don't even have an act of birth. Personne ne connaissait d'où elle venait. Nobody knew where she was from. Mais en 24 heures. And in 24 hours. Elle est devenue la première dame. She became the first lady of the empire. C'est l'étoile qui détermine tout. It was the star that determined her. Quand ton étoile brille, tout brille. When your star shine, everything shines. Arrête de te battre. Est-ce que ton étoile brille? Stop fighting. Is your star shining? Est-ce que ton étoile brille? Is your star shining? Cette conférence va faire briller ton étoile. This conference will make your star shine. Écoutez-moi bien. Listen to me. Ce n'est pas là où tu es né qui est important. It's not where you're born that is important. Mais c'est ce que tu décides de faire avec ce que tu es là où tu es né qui est important. But it's what you decide to do with that which you were born. Écoutez-moi bien. Listen to me. J'étais fâché contre Joseph. Je vous dis la vérité. I was angry against Joseph. J'étais fâché avec Joseph. Joseph le mari de Marie. Joseph the husband of Mary. Yes. Yes, je me suis dit que apôtre. I said to him, quand je vais arriver au ciel, when I'm going to get to heaven, je vais chercher Joseph. I'm going to look for Joseph. Non, j'étais sérieux. I was serious. Il y a les gens que je suis fâché dans la Bible. There are people that you're mad with in life. Joseph fait partie des gens. Joseph is one of those people. Parce que Joseph, because Joseph, l'ange lui dit que ta fiancée est enceinte. The Bible says that your fiancée was pregnant.
Donc tu as 9 mois pour préparer la venue de l'enfant. So you had 9 months to prepare the coming of the child. Lorsque Marie est sur le point d'accoucher, tu n'as pas 5 francs. And when you, Mary was born, you didn't have enough. Tu ne peux pas préparer la venue de l'enfant. You cannot prepare the coming of the child. Pour l'enfant pas naître là où les animaux mangent. That now the child is born where the animals are eating. Ah, Joseph. Ah, Joseph. C'est parce que tu savais que ce n'est pas ton enfant. It's because you said it's not your child. C'est pour ça que tu as négligé l'enfant là. That's why you neglected the child. Pourquoi les autres enfants ne sont pas nés là-bas? Why are the other children not born there? Joseph. Joseph, je t'attends au ciel. I'm waiting for you in heaven. Je t'attends au ciel. Je t'attends. Je te vois. I'm waiting for you. On va pagarer encore au ciel. We are going to share in heaven. Pendant que je parlais comme ça, while I was speaking like that, j'entends comme si une voix de Joseph me dit. I heard the voice of Joseph saying, Dieu ne dort. Dieu ne dort. Tu as quoi contre moi? You, what do you have against me? Moi, je n'avais que 9 mois. I only had 9 months. Pour préparer la venue de Jésus. To prepare the coming of Jesus. Et je n'ai pas fait. And I didn't do it. Son père qui est au ciel. And the Father in heaven. Lui, il avait 4000 ans. He had 4,000 years. Et il n'a rien fait. And he didn't do nothing. Et c'est moi que tu fais blague. And you're the one. I'm the one you're mad with. J'ai dit. I says, oh. C'est vrai. It's true. Joseph n'avait que 9 mois. Joseph only had 9 months. Mais le Dieu le père avait 4000 ans. But the God of peace had 4,000 years. Le jour il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. And when he said that the posterity of the woman is going to crush her, il a annoncé la venue de son fils. He was announcing the coming of his son. Il n'a rien fait. And he did nothing. Je suis allé voir Dieu le Père. I went and see God the Father. J'ai dit papa qui est au ciel. I said papa who is in heaven. Je ne suis pas venu t'adorer aujourd'hui. I did not come to worship today. No. Je suis venu te poser une question. I came to ask a question. Je veux juste être sûr pour moi. Je veux être sûr pour moi. I want to be sure for me. Mais si tu fais ça pour ton fils unique, if you did that for your only son, moi alors qui est ton fils adoptif, tu vas faire quoi? And what about for me who is your adoptive son? Il dit pourquoi tu n'as pas préparé bien la venue? Why didn't de ton you fils? Properly prepare the coming of your son? La question est importante. Hein? The question is important. Parce que depuis 2000 ans, il a dit qu'il va nous préparer une place. Because for 2000 years, he says he's going to be preparing a place for us. Je ne sais pas ce qu'on va trouver là-bas si je ne réponds pas bien à la question. And I says, I don't know what I'm going to find over there if you don't know what happened over here. Quand j'ai posé la question, il me dit. When I asked the question, he said to me, mon fils, my son, laisse-moi te parler. Let me speak to you. Est-ce que vous savez? Do you know? Que chaque fois que Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. It's not because God doesn't know the answer when God asks you a question. Quand il te pose une question, c'est parce qu'il veut te donner une révélation. When God asks you a question, it's because he wants to give you a revelation. Il me dit, est-ce que tu sais? J'ai dit quoi? He says, you know what? Il dit, quand j'annonçais la venue de mon fils, when I announced the coming of my son, l'étoile, les mages ont suivi l'étoile. The mages followed the star. Si l'étoile était arrivée à une maternité, if the star had fallen at a maternity place, un hôpital, a hospital, les mages n'auraient pas su lequel des enfants qui viennent de naître est Jésus. The mages would not have known which one of the children was mine. J'ai décidé que l'étoile pas naître là où les autres enfants ne naissent pas. And I decided that the star would be there where the children are not born. Afin que lorsque les mages arrivent, il n'y ait pas de confusion. So that comme when que le seul enfant qui est là, c'est Jésus de Nazareth. That they know that it's Jesus of Nazareth. Est-ce que tu sais? Do you know? Est-ce que tu sais? Do you know? Parfois Dieu te sépare de certaines personnes. Sometimes God separates you from people. Ce n'est pas parce qu'il veut te faire du mal. It's not because he wants to hurt you. Parce que la séparation est la mère de la distinction. Because separation brings distinction. La séparation est la mère de la distinction. Separation brings distinction. Chaque fois que l'homme te rejette, every time man rejects you, ça veut dire que Dieu veut te projeter. It means that God wants to project you. Ça veut dire que Dieu veut te projeter. That means God wants to project. Et tu seras projeté après cette conférence. And you will be projected after this conference. Si tu lèves la main, tu dis amen fort. If tu you seras. Put your hands, say amen long. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Assois-toi s'il te plaît. Laisse-moi aller rapidement, on va prier tout à l'heure. We're going to pray after. C'était un homme d'affaires.
There was a businessman. Ingénieur. He was an engineer. Il a vécu aux États-Unis pendant 14 ans. He was in the United States for 14 years. Il est revenu au Cameroun. He came back to Cameroon. Et il arrive au Cameroun, pas de travail. And he said he came by Cameroon by work. Il a fait tous les papiers, pas de travail. He did all the papers. Il a présenté ses demandes dans les grandes structures. And he presented his papers with a future. Et finalement, il arrive dans mon église. And he comes to the church. Dans mon église, on prie comme ici là. On prie comme ici. And we pray like here in my church. No prayer is a box. Our prayers are boxing. On ne prie pas comme si on disait je vous salue Marie. We don't pray as though we're saying we salute you Mary. Quand on prie, Dieu est obligé de descendre nous écouter. When we pray, God is obliged to come down and listen. Voici comment on prie. This is how we pray. On arrête Dieu comme ça. We stop God like this. On dit même si y a la guerre au Pakistan. We see even if there's war happening. Au Pakistan. In Pakistan. Tu vas arrêter le Pakistan. You're going to stop Pakistan and you're going to come and bless us first. Before you go back to Pakistan. Oh Dieu. Oh God. C'est la prière là qu'on fait. It is the prayer that we Et make. On enseigne aux gens ce jour. We have taught people that day. Je prêchais sur l'étoile. I preached on the star. Le jour là. That we say. Le frère là a dit, donc quelqu'un a pris ma place. And I said, who has taken my place? Il a commencé à prier. And he began to pray. Écoute-moi bien. Listen to me. Si tu continues à faire ce que tu avais l'habitude de faire, if you continue to do what you're used to doing, tu n'auras que ce que tu as l'habitude de recevoir. You're going to be getting what you're used to getting. Parfois, il faut changer ta manière. Sometimes you have to change your ways. Allez, c'est pour ça qu'en Afrique on est béni. That's why in Africa we're blessed. Nous, on n'a pas l'assurance vie. On n'a pas l'assurance maladie. We don't have Medicare. On n'a pas l'assurance sociale. We don't have social insurance. C'est la prière qui est notre assurance. It is prayer that changes things. Pendant qu'il a prié comme ça, while he was praying like this, pendant le moment de la prière, while during the time of prayer, il voit un ange le saigner par la main. Un ange le prend. An angel takes. Et l'amène dans son village. And he brings him in his village. Et l'ange là. And the angel there. Ouvre, l'amène chez sa tante. And he brings him to his aunt. Dit à la tante, où casse la calebasse là, creuse. Il dit à l'ange, à la tante, creuse. He says to the aunt to dig, to dig. Et enlève la calebasse. And take out the pot. The pot. Et l'ange, et là, la femme a fait ça. And when the angel did that, il dit à l'homme, voilà ton étoile dans la calebasse. And he said, look, there is your star in that jar. Now take it out. Et le monsieur a récupéré. And the man took back. Et il s'est retrouvé encore à l'église. Then he came back to the church il in spirit. Il a continué à prier. And he continued to pray. Quand il a fini la prière, when he finished the prayer, 4 minutes après, 4 minutes later, il sort de l'église. He comes out of the church. Et son téléphone sonne. And his phone rings. Un appel venant des États-Unis. A call from the States. On dit mais monsieur, they said sir, la banque vient de nous appeler. The place that we're calling you from. La banque. The bank. Pour dire que depuis qu'on te paye ton salaire, tu n'es jamais allé retirer. Saying that ever since you came, you have never taken your salary. Ça fait 5 ans qu'on t'envoie chaque mois $4,000. It's 5 years we're sending you $4,000 a month. Et tu n'es jamais allé retirer. And you never went and took it out. Est-ce qu'il y a un problème avec les papiers? Is there a problem with your papers? Le monsieur dit comment? The man says, excuse me. Il y a 5 ans, il avait fait une demande pour un emploi. 5 years ago, he made de l'environnement. A demand for a job. Et on lui avait dit d'aller en Afrique. And they told him to go in Africa. Et chaque fois, il ne savait pas que son argent était viré. And he had never known that his check was coming. $4,000 par mois multiplié par 5 ans. $4,000 a month multiplied by 5 years. Sa vie a changé. His life changed. Parce qu'il a prié. Because he prayed. Parce que son étoile a brillé. Because his star shined. Ce soir, tonight, je frappe mon pied sur le sol. I hit my ton étoile, étoile va briller. Your star will shine. Ton étoile va briller. Your star will shine. Ton étoile va briller. Your star will ton étoile va briller. Somebody say, ah, lève la main et fire, dis, oh Dieu, oh Dieu, dis, oh Dieu, fais prier mon étoile, make my star to shine, plus fort, oh Dieu, oh God, fais prier mon étoile, make
make my star to shine. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Crie le plus long amen que tu aies jamais crié. Scream like you've never screamed before. Je sens que l'atmosphère va changer ici là. The atmosphere is changing. Je sens que l'atmosphère est en train de changer ici là. The atmosphere is changing. Si tu dis amen, c'est ta part qui va arriver. C'est amen. Laissez-moi aller rapidement. Cinquième et quatrième point. For fifth and fourth point. La Bible dit. Car nous avons vu son étoile en Orient. We seen his star in the east. Où? Where? Où? Where? En nord. In the. À l'est. In the east. Écoutez, écoutez. Listen. Quand Dieu chassait, séparait Abraham. When God separated Abraham. Quand il a chassé Caïn. When he cast out Cain. Il l'a envoyé où? Where did he send him? À l'est. To the east. Quand les enfants d'Abraham se sont séparés d'Isaac. When the children of Abraham separated from Isaac. Dieu les a envoyés où? Where did God send them? À l'est. East. Quand Abraham et Sodome se sont séparés. When Abraham and Sodom separated. À l'est. To the east. L'est était reconnu comme un endroit où rien de bon n'apparaît. In the east is a place where everything was recognized as nothing good happens there. Des gens, rien de bon n'arrivait à l'est. Nothing ever good happens in the east. Mais c'est là-bas qu'ils ont vu l'étoile briller. But that's where they saw the stars shine. C'est là-bas qu'ils ont vu l'étoile briller. That's where they saw the star shine. Je suis venu dire à quelqu'un. Jesus is saying to somebody. Je suis venu dire à quelqu'un. I have come to say to someone. On a dit que rien de bon n'est jamais sorti dans ta famille. They said that nothing good ever came from your family. Tu es la bonne chose qui va sortir de ta famille. You are the good thing that will come out of your family. Tu es la bonne chose qui va sortir de ta famille. You are the good thing that will come out of your family. Tu vas changer l'histoire de ta famille. You are the good thing. You will si tu dis amen fort, je te vois arriver avec ce miracle. You say amen loud, say it loud. Tu dis amen fort, je te vois arriver avec ce miracle. Là où on t'a rejeté, tu seras célébré. There where they rejected you, you will be separated. Là où on t'a rejeté, tu seras célébré. There where they rejected you, you will be separated. Je parle à une femme ici là. Je parle à une femme ici. I'm speaking to a woman here. Une femme qu'on a méprisée. A woman that we broke. Qu'on a froissée. That we cried. Et on t'a jeté. And we threw you. Dieu va te prendre ce mois. God will take you this month. Dieu va te prendre cette année. God will take you this year. Il va t'arranger. And he's gonna fix you. Et il va te positionner. And he's gonna position you. Si tu dis amen fort, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Laissez-moi aller rapidement. Parce que l'onction de Dieu va saisir l'endroit. The anointing is here. Écoutez, écoutez. Listen, listen. C'était une femme qui était prostituée dans mon. There was a woman who was a prostitute. Prostituée. Prostitute. Elle avait cinq enfants avec cinq hommes différents. She had seven kids with seven different men. Cinq enfants avec cinq pères différents. Seven kids with seven different fathers. Seven kids with five different fathers. Five kids with five different fathers. Five kids with five different fathers. Hey, elle avait commissé cinq étoiles à enfant. She had like seven, five stars with these kids. Écoutez la révélation maintenant. Listen to the revelation now. Elle a donné sa vie au Seigneur. She gave her life to the Lord. Elle arrive à l'église. And she comes to the church. Et on commence à prophétiser. And we begin to prophesy. Chaque fois qu'on prophétise, dit amen. And every time we prophesy, we say amen. Elle dit amen. Amen. On dit vous allez vous marier. We said you're going to get married. Pendant que les jeunes filles, while the young girls, les stars, were stars. Elles sont là. Ah, amen. 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 Elle dit amen. She was saying amen. 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 Le royaume de Dieu souffre de violence. The kingdom of God opens for those people, for the violent. Et seuls les violents le prennent. It is the violent that take it by force.
Pendant que les gens disaient While the people go et crient amen. She was screaming amen. Les jeunes filles qui étaient là disaient ah, quel est l'homme qui va nous abandonner? Nous qui sommes rondes comme ça pour aller chercher. What kind of a man is going to abandon us? Look at us, how round we are. Un frère. And a brother est venu de l'Italie. Come from Italy. Il arrive à l'église. And he comes to the church. Il était frais et mignon comme le général de Dieu. He was nice as the general of God, nice and fixed up. Pourquoi il rit? Tu ne crois pas que je suis frais? Don't you see that I'm good? Seigneur, ouvre ses yeux au nom de Jésus. Quelqu'un dit hey! Somebody say hey! Quand le frère là est venu à l'église, toutes les sœurs ont commencé à venir tôt à l'église. When that brother came to church, all the sisters started to come early to church. Et quand le frère là se levait pour aller donner l'offrande. And when the brother would come to bring the offering. Ah, toutes les sœurs venaient aussi donner l'offrande à son. And all the girls came and saw the offering right after. Bon, tournons la page. We're going to turn the page. Après 5 mois. After 5 months. Le frère dit, papa, je veux me marier. I said, the brother said, papa, I want to get married. Je lui dis, il y a beaucoup de sœurs. They said, there's a lot of sisters. Il y a les brunes. There's brown. Il y a les noirs. There's the black. Il y a les métis. There's the half-half. Il y a les chocolats. There's the chocolates. Et il y a les vanilles. And there's the vanillas. Choisis ta part. Choose. Il dit que non, je vois une sœur qui a beaucoup d'enfants. And I still see a sister with a lot of kids. Elle est monitrice du culte des dimanches. She is the monitor of the services on Sundays. Le pasteur des enfants. The pastor of the kids. Je sais, elle me plaît, elle est maternelle. And I says, I found an interest in her. Je lui dis, hey. I says, oh. Non, ce ne sont pas les enfants de l'école des dimanches. Those are not the children of the Sunday school. Ce sont ses propres enfants. I said, those are not the Sunday school kids. Those are her kids. Elle a 5 enfants avec 5 pères. I said, she has 5 kids with 5 fathers. Le frère s'est mis à genoux, a commencé à pleurer. The brother got on his knees, started to cry. J'ai dit, frère, ne pleure pas. I said, brother, don't cry. Il y a les autres sœurs. There are the other sisters. Il dit, non, papa, tu ne comprends pas pourquoi je pleure. No, papa, you don't know why I'm crying. Il dit, pourquoi tu pleures? He said, why are you crying? Il dit que parce que quand j'étais en Italie. Because when I was in Italy. Dieu m'a dit. God told me. Que je dois retourner au Cameroun me marier. That I have to go back to Cameroon to marry. Et que le signe de ma femme. And that the sign of my wife. C'est qu'elle a 5 étoiles. Is that she has 5 stars. Elle a 5 étoiles. She has 5 stars. Je dis, papa. I said, papa. Je ne savais pas. I did not know. Que les 5 étoiles sont 5 enfants. That the 5 stars are 5 children. Ce qui l'a disqualifié devant les hommes. What disqualified her in front of men. La qualifié devant. Qualified her in front of God. Ce qui l'a disqualifié devant les hommes. What disqualified you in front of men. La qualifié devant. When qualified her with God. Je prophétise. I prophesy. Tu seras qualifié cette année. You will be qualified this year. La grâce. La grâce, the grace, la grâce, the grace, va prendre tes défauts, of all your defects, va prendre tes blessures, will take all your hurts, et va changer en cicatrices de beauté. It will change into scars for the king. Si tu dis amen fort, je vois le miracle. You say amen, say amen. Yeah. Quelqu'un dit yes. Asseyez-vous. Avant dernier point, et on va prier. L'avant de cinquième et avant the fifth one before last. Il dit l'étoile est brillante à l'est. He said the star is shining in the east. Maintenant voici l'avant dernier point. But now look. Regardez la Bible dit. Look at what the word says. Car nous avons vu son étoile briller. For we have seen his star shine. Et nous sommes venus pour l'adorer. And we have come to worship him. Non, écoutez-moi. Now listen. Au Cameroun. In Cameroon. La grossesse dure 9 mois. The labor lasts 9 months. Même ici à Montréal. It is the same in Montreal. Pregnancy lasts 9 months. Au Cameroun. In Cameroon. En Afrique. In Africa. Ici au Canada, ça dure aussi 9 mois. And in Canada, it's 9 months also. D'accord, on est ensemble. Okay, we're at the same place.
Je pensais qu'ici ça durerait plus. I thought here maybe it lasts longer. Non, ça dure 9 mois. It's 9 months. Oh, écoutez. Listen. Pour quitter de là où ils étaient. If you go from where they were et arriver à Jérusalem, and get to Jerusalem, il fallait 11 mois. It took 11 months. Ça veut dire quoi? That means what? 2 mois avant que l'ange ne parle à Marie. 2 months before the angel spoke to Mary. L'étoile brillait déjà. The star was already shining. Est-ce que tu sais? Do you know? Qu'avant de naître, before you were born, Dieu avait déjà préparé ton étoile. God already prepared your star. J'ai envie de parler à quelqu'un. You don't see this. J'ai envie de parler à quelqu'un. I want to talk to somebody. J'ai envie de parler à quelqu'un. I want to talk to somebody. On nous a enseigné. They taught us que quand Dieu donne la vision, that when God gives the vision, il donne la provision. He gives the provision. Quand Dieu donne la vision, when God gives the vision, il donne la provision. He gives the provision. C'est faux. That's false. C'est faux. It's false. Dieu ne donne pas la vision. God doesn't give the vision. Et après, il donne la provision. And then after the provision. Non. No. Dieu donne d'abord la provision. Gives, God gives first the provision. Et après, il donne la vision. And after he gives the vision. Parce que. Why? C'est vous qui nous avez appris le français. You called us. C'est vous qui nous avez appris le français. You called us French. You taught us French. You taught us French. Provision. Provision. Pro, préfixe, vision radicale. Provision and vision are radical. Maintenant, ça veut dire ce qui vient avant la vision. Which means pro, which means what comes pro before vision. The vision. Pro, ce qui vient avant what la comes vision. Before the vision. Oh, la Bible dit quoi? So the Bible says what? Que Jésus Christ, that Jesus Christ est l'agneau de Dieu. He is the Lamb of God. Qui a été immolé? Who was slain? Avant la fondation before the foundation of the world. Avant qu'Adam ne pêche. Before Abraham sinned. Avant qu'Adam. Before Adam sinned. Jésus avait déjà la solution était déjà là. Jesus was already slaughtered. C'est pourquoi. This is why. Le péché d'Adam n'a pas surpris Dieu. The sin of Adam did not surprise God. La solution est déjà là. The solution was already there. Écoutez-moi. Listen. La solution est plus âgée que le problème. The solution is larger than the problem. La solution est plus âgée que le problème. The solution has more age than the problem. Ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution. It's not because there's a problem that there's no solution. C'est parce qu'il y a solution qu'il y a problème. It's because there's a solution that there is a problem. En réalité. In reality, en réalité, in reality, le problème apparaît pour manifester la solution. The problem was manifested so that the solution can come. Quelqu'un n'a pas dit amen à ce que je viens. Quelqu'un n'a pas dit amen à ce que je viens. Somebody needs to say amen. Écoutez-moi bien. Listen to me. Tout ce dont tu as besoin. Everything you need. Pour réussir ta vie. To in your existed life. Déjà. It already existed. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. If we go in the Word, Dieu dit, God says, avant de donner la vision à Adam, before giving the vision to Adam, il a d'abord créé le jardin d'Eden. He already created the Garden of Eden. La provision était déjà là. The provision was already there. Tout était là pour que Adam domine. Everything was there for Adam to come. Il a d'abord créé tout ce qu'Adam avait besoin. He already first created everything. Et le sixième jour, il crée Adam. And then he created Adam. Et il lui donne une vision. And he gave him a vision. Parce qu'il y avait déjà une provision. Because there was already a provision. Je prophétise. I prophesy. Si tu dis amen fort, la provision apparaît. If you say amen, la provision is coming. La provision. Provision. La provision. La provision. Provision. La provision. Provision. Et s'il vous plaît, j'aime la provision. And I love provision. Ça parle de ce que tu as besoin. It's what you need. Avant de clôturer, ça parle de ce que tu as besoin. It speaks of what you need. Est-ce que tu sais que la pauvreté n'est pas bien? Do you know that poverty is not of God? It's not good. C'est pas bon. La pauvreté n'est not good. Poverty is bad. Yes. Si tu vois le diable venir à droite, if you see the devil coming on the right, et tu vois la pauvreté venir à gauche, and you see poverty coming to the left, cours là où il y a le diable. Run where there's the devil. Demandez-moi pourquoi.
Ask me why. Demandez-moi pourquoi. Ask me why. Parce qu'au nom de Jésus, because in the name of Jesus, le diable fléchit. The devil will bow. Mais au nom de Jésus, but in the name of Jesus, la pauvreté va dire amen. Poverty is going to say amen. Je vous dis pourquoi. I'll tell you why. Il y a trois démons que le nom de Jésus ne chasse pas. There are three demons that the name of Jesus does not cast out. Le premier démon, c'est le démon du loyer. The first level is the devil of rent. Tu ne vas pas dire à ton bailleur, au nom de Jésus, c'est déjà payé. You cannot say to your landowner, in the name of Jesus, it's paid. Le deuxième démon, c'est le démon de l'électricité, de la facture d'électricité. The devil is the devil of electricity. La facture d'électricité. The bill of electricity. Quand la facture d'électricité vient, tu ne dis pas au nom de Jésus. When that bill comes, you cannot say in the name of Jesus. Et le troisième démon, c'est les taxes. And the third one is taxes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Can I speak to somebody here? Dis à ton voisin, la pauvreté n'est pas bien. Tell your neighbor, poverty is. Parle fort, parle fort. Say it loud. Dis-le plus fort. Say it louder. C'est pour ça que j'aime ce ministère. This is why I like this ministry. Parce qu'elle est déterminée à éradiquer la pauvreté au sein de nous. J'aime ce ministère. I like this. J'aime l'excellence dans ce ministère. Like j'aime la prospérité de ce ministère. Like j'aime la gloire de ce ministère. Like si tu dis amen, je sens que moi-même je veux me. Moi-même, je me connecte à ce ministère. Quelque chose doit arriver dans ma vie ici là. Quelque chose va arriver dans ma vie ici aujourd'hui. Je suis venu prêcher à moi-même. Je suis venu parler à moi-même. Si tu es d'accord avec moi, dis amen et tu verras. Somebody believe it. Say amen. Quelqu'un dit yeah 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 yeah. Quelqu'un dit yeah 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 yeah. Quelqu'un dit yeah yeah. Asseyez-vous, je vais finir mon dernier point. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, j'aime l'apôtre là. Somebody say I love the apostle. Dis le plus fort, dis j'aime l'apôtre là. Say I love the apostle there. Même si tu ne m'aimes pas, il faut dire par la foi, l'amour va venir après. Even if you don't like me, say it by faith. L'amour va venir après. Love is going to come after. Dis à ton voisin, la pauvreté n'est pas bien. Tell your neighbor, poverty is bad. Je vous dis quelque chose. Let me tell you something. Je vous dis quelque chose. Let me tell you something. Je vous dis quelque chose. I will tell you something. La religion nous a fait du mal. Religion did us bad. Yes. La religion nous a fait du mal. Religion did us bad. Quand tu vas aller quelque part, when you want to go somewhere, tu demandes quels sont les gens de personnes qui seront là-bas. You say what kind of people will be there. On te dit par exemple, si on te dit que il y aura le premier ministre de la du Canada, le président du Canada, des États-Unis. Tu t'habilles selon les gens que tu vas rencontrer. You address according to the people you're going to meet. C'est faux. Is that true or false? Maintenant, on va aller au ciel. Now, when you get to heaven, nous allons au ciel. We're going to heaven. Qui sont ceux qui sont là-bas? Who are the people there? Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, David. Est-ce que vous remarquez que je n'ai pas encore cité le nom d'un pauvre? Did you never notice that I didn't name any poor people? Ce ne sont que les milliardaires que je ne fais que citer les. All the people I mentioned there. Les milliardaires sur la terre, ils sont là-bas au ciel. There are millionaires in the earth that are going to be in heaven. Quelqu'un va me dire, mais il y a aussi le pauvre Lazare. Yeah, but somebody might say there's also the poor Lazarus. Ah, laisse-moi ça. Leave me alone. La Bible n'a pas dit Lazare mourut. The Bible says they didn't say that Lazarus died. La Bible dit le pauvre mourut. The Bible says the poor died. La pauvreté qui en Lazare est mort. The poverty in Lazarus died. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec Abraham. But then he went up to heaven and he went to see Abraham. Le riche mourut. The rich died. Et il alla dans la souffrance.
And he was in suffering. Lorsque la pauvreté en toi meurt, tu deviens riche. When the poverty inside you dies, you lorsque le riche en toi meurt, tu vas dans la souffrance. And when the rich died, non, je ne vais pas entrer là-dedans. Quelqu'un m'a dit que mais ce que tu prêches là, est-ce que Jésus a prêché ça? And somebody says, what you preach there, is that something that Jesus preached? Je te pose une question. I ask you a question. Quand tu veux comme mon apôtre, quand tu as commencé le ministère ici, apostle, when you started the ministry here, je suis sûr que tu as fait comme moi. I'm sure you did like me. On choisit les intercesseurs. We choose intercessors. On intercède pour le ministère de délivrance. Can really pray and do délivrance tous les jours. That could do deliverance every day. Mais regardez Jésus. But look at Jesus. Quand il choisit comment son ministère, when Jesus starts his ministry, le premier poste qu'il nomme c'est trésorier. The first one that he appoints is the treasurer. Ce n'est pas l'intercesseur. It's not even the intercessor. C'est le trésorier. It's the treasurer. Et qui est celui qui choisit comme trésorier? And who does he choose as treasurer? Un voleur. A thief. Pourquoi? Why? Il est en train de dire. Il est en train de dire. He's saying, je suis tellement riche. I'm so rich. Que même si un voleur garde mon argent, il ne peut pas finir mon argent. That even if a thief keeps my money, he will not finish with my money. Je suis tellement béni. I'm so blessed. Que même si un voleur prend mon argent, il ne peut pas voler assez pour que je n'ai plus. That even if a thief has my money, he can't steal me enough to make me poor. Non, laissez-moi finir mon dernier. Regardez ce que Jésus dit. Look at what Jesus says. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. He says, my Father, when who is in heaven. Que ton nom soit sanctifié. May your name be sanctified. Que ton règne vienne. May your kingdom come. Que ta volonté soit faite sur la terre. May your will be done on the earth. Quatrième point. Fourth. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Give us today our daily bread. Cinquième point. Five points. Pardonne-nous nos offenses. Forgive us our sins. Il aurait dû dire. He should have said. Pardonne-nous nos offenses. Forgive us our offenses. Et ensuite donne-nous notre pain. And after give us our bread. Mais il dit non. But he says no. Jésus dit. Jesus says. Personne ne peut vraiment se repentir. Nobody can really repent. Avec le ventre vide. With an empty stomach. Aucun pauvre ne peut pas se repentir. You cannot repent. Being poor. And be poor. No, no, no. No poor man cannot repent. Un homme pauvre ne peut pas se repentir. It's not possible. C'est pas possible. Because you don't understand repentance. Parce qu'il n'y a pas de, pauvre, de repentance dans les pauvres. Le pauvre ne peut pas aimer. The poor cannot love. Si un pauvre te dit qu'il t'aime, il ment. If a poor man tells you he loves you, he's lying. Parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Because he doesn't even know himself. He doesn't even love himself. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. The Bible says love your neighbor as yourself. Mais le pauvre quand il se voit au miroir, il dit que ouais, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour souffrir comme ça? But the poor, what does he say? He says, what did I do to God to suffer like this? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Can I speak to somebody here? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Can I speak to somebody here? La provision est là. Provision is there. Il faut la saisir. We have to seize it. Clôturons avec le cinquième et dernier point. Close with the last point. Il dit. Ils sont allés voir Hérode. They went and see Hérode. Herod. Et ils ont dit, and they said, où est le roi des Juifs qui where is the king of the Jews? Cinquième point. Fifth point. Les mauvais voisins. The bad neighbors. La vie que vous voyez. Life dépend du type de voisin que tu as. Life depends on the neighbors you have. Je te dis la vérité. I am telling you the quand truth. Tu viens à une conférence comme ça, ne t'assois pas à côté de n'importe qui. When you come to a conference like this, don't sit beside just anybody. Il y a les gens pendant que tu dis amen. There's people while you sing amen. Quand le palapote presse, tu dis yes. When the apostle preached, yes. La personne est assise comme l'eau glacée. And the person is there sitting beside you like a rock. On chante, ils ne chantent pas. They're, we're singing and they're on not danse, singing. Ils ne dansent pas. We're dancing, nobody, and they're not dancing. Ma soeur, my sister, prends ton sac. Take your bag. Change de place. Go sit somewhere else. Ah, pourquoi? Why? Parce que les mauvais voisins, because the bad neighbors, peuvent détruire ta vie. They're going to affect your life. My God, vous ne me comprenez pas.
Quand Dieu a créé Adam, when God created Adam, il a créé Eve. He created Eve. Adam devait être le voisin de Eve. Adam had to be the neighbor of Eve. Tant que Adam et Eve étaient voisins, as long as Adam was the neighbor, tout allait bien. Everything was un good. Jour, one day, Eve a changé de voisin. Eve changed neighbor. Et le serpent est devenu son voisin. And the serpent became her neighbor. Et nous sommes dans les problèmes aujourd'hui. And look at the problems we're in. Tout voisin qui est un serpent, je te sépare de ce voisin. Your neighbor that was a serpent, I separate you from that neighbor now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Eh ben, écoutez-moi, asseyez-vous, ce n'est pas fini. Sit down. Ton voisin est important. Oh. Your neighbor is important. Écoutez. Listen. Abel est mort. Abel died. Parce qu'il avait un mauvais voisin. Because he had a wrong neighbor. Caïn. Cain. L'a appelé. Cain called him. Et il l'a amené dans les champs. And he brought him in the forest. Et il l'a tué. And he killed him. Mon apôtre. Me apostle. Est-ce que tu sais? Do you know? Que Adam a péché. Adam sinned. Eve a péché. Eve sinned. Le serpent a péché. Le serpent. The serpent. Écoute maintenant. Listen. Dieu a puni Adam. God punished Adam. Il a puni Eve. He punished Eve. Il a puni le serpent. He punished the serpent. Maintenant. Now, Dieu a chassé Adam du jardin. God cast Abraham out of the garden. Il a chassé Eve du jardin. He cast Eve out of the garden. Mais il n'a pas chassé le serpent du jardin. But he did not cast the devil out of the garden. The serpent. The snake. The serpent. Il n'a pas chassé le serpent. He did not cast it out of the desert. Lisez votre Bible. Of the garden. Lisez votre Bible. Read your Bible. Le serpent est resté dans le jardin. The serpent stayed in the garden. Pourquoi? Why? Adam s'est justifié. Because Adam was justified. Adam s'est justifié. Adam justified himself. Eve s'est justifié. Eve justified himself. Le serpent ne s'est pas justifié. But the serpent did not justify himself. Je veux pas entrer là-dedans. I don't know if I'm not going to get into it. Adam s'est justifié de la mauvaise manière. Adam justified himself in the wrong way. Il a accusé quelqu'un d'autre. He accused somebody else. Il n'a pas parlé à Dieu. He did not speak to God. Il n'a pas répondu à Dieu. He did not repent to God. Un jour. One day, Cain, le fils d'Adam et Eve, Cain, the son of Adam, a tué son frère Abel. Killed his brother Abel. Dieu est venu voir Cain. And God came to Abel, Cain. Il a dit à Cain. And he said to Cain, ce que tu as fait là, je te maudis. He said to Cain, what you've done there, I'm going to curse you. Partout. I'm going to send you quand Dieu a fini, everywhere. Quand Dieu a fini de parler, God, when God finishes speaking, Cain a levé le doigt. Cain lifted his finger. Il a dit, Dieu, j'ai dit. He said, God, it's true. I have to speak. I have to speak. Je dis, mais je veux être maudit. But I said, I just cursed you. Pas de problème, mais je veux parler. I said, I don't have a problem, but I want to speak. Je dis, parle. God said, speak. Tu as maudit Adam, il n'a rien dit. You cursed Adam, he didn't say anything. Tu as maudit et chassé Eve, elle n'a rien dit. You cursed Eve, she said nothing. Moi, je ne veux pas accepter ça comme ça. I am not going to leave this like this. J'ai à dire. I will say. Il dit, pendant que tu me chasses, quiconque me trouve va me tuer. If while you cast me out, whoever is going to find me is going to kill me. Je ne veux pas mourir. I don't want to die. Et Dieu a mis un signe sur Caïn. And God put a sign on Cain. Afin que quiconque le trouve, so that whoever would kill him would be killed. Ne permets jamais. Don't ever que quelqu'un qui parle contre toi ait la dernière parole sur ta vie. Don't allow somebody who's against you to have the last word upon your life. C'est toi qui dois avoir la dernière parole sur ta vie. You must have the last word. Tu dois avoir la dernière parole sur ta vie. You must have the last word. Dis amen fort et je vais clôturer avec. Give a mighty amen. Quelqu'un dit mauvais voisin. Somebody say wrong neighbor. Dis Seigneur. Say Lord. Dis Seigneur. Say Lord. Délivre-moi des mauvais voisins. Deliver me from wrong neighbors. Assois-toi. Je clôture avec ceci. And I close with this. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. On va prier. 70 personnes vont recevoir quelque chose. 70 people will receive something. Écoute-moi très bien. Listen to me clearly. Quand Israël est sorti de l'Égypte. When Israel came out of Egypt. Tous ne sont pas sortis riches. Everybody did not come out of Egypt. Not everyone. Ne sont pas sortis riches. Not everybody came out rich. Oui. Not all of them. Not all of them came non. out rich. Certains sont sortis plus riches que d'autres. Some came out richer than others. Pourtant, tous ont été délivrés. However, all were delivered. Quel était le secret? What was the secret? Dieu a dit. God said. Que chacun aille chez son voisin. Let everyone go toward his neighbor. Et prend tout ce qu'il y a dans la maison du voisin. And take what is in the house of their neighbor. Et sort avec. And leave with it. Maintenant. Now, si ton voisin
Vendez les chaussures. That if your neighbor was selling shoes, tu avais les chaussures que tu vas sortir. You were going to get shoes. Si ton voisin vendait les fers, if your neighbor was selling, tu vas sortir avec les fers. Iron, you were going to get iron. Si ton voisin avait le diamant, if your neighbor had diamonds, tu vas sortir avec le. You're going to come out with. Donc la richesse dépendait de la qualité de ton voisin. So the riches depended on the quality of your neighbor. C'est pour ça que regarde ton voisin, dis voisin. That's why look at your neighbor, say touche ton neighbor, voisin, dis voisin. Touch your neighbor, say neighbor. J'espère que tu es un bon voisin. I hope you're a good neighbor. Le voisin là, sa tête ne m'étire pas. Change de voisin, change. Change, change, dis voisin. Dis voisin. J'espère neighbor, que tu es un bon I voisin. Hope you're a good neighbor. Je connais un homme. Ça c'est ma dernière histoire. This is my last story. Je connais un homme. I know a man. Il était méchant. He was evil. Terrorist. A terrorist. L'homme l'a tué les femmes. This man killed women. Égorgeait les femmes enceintes. And he would kill them while they were pregnant. Et il va tuer les enfants, manger les enfants. And he would kill the kids, even eat them. Un cannibale dangereux. A dangerous cannibal. Il s'échappait et s'évadait toujours. He would always get away. L'homme là était méchant plus que Ben Laden. This guy was more evil than Ben Laden. Un jour, one day, on a réussi à l'attraper. We finally caught him. Et on a dit qu'on doit le tuer le même jour là. And we told him we're going to kill him the same day. Parce que s'il dort, il va s'échapper. Because if he sleeps, he's going to escape. Et le temps là pour tuer quelqu'un, on le mettait sur la croix. And we took him to put him on the cross. C'était la mort la plus cruelle de l'époque. This was the worst of the deaths of the on time. On a amené l'homme là à la croix. We brought this man to the cross. Mais arrivé à la croix, but at the cross, il avait un bon voisin. He had a good neighbor. Arrivé à la croix, at the cross, sur le point de mourir, on the verge of death, il avait un bon. He had the good. Pendant que l'autre l'insultait, while the other one was there, il s'est tourné, il a dit à son voisin, and he turned and he said to his neighbor, moi je reconnais que je suis méchant. I recognize I'm a sinner. Toi tu es bon. And you are good. Pardon. Please, souviens-toi de. Remember me. Quand tu seras dans when ton. You will be in heaven. Voilà quelqu'un. This is someone. Qui était sur le point de mourir pour aller en enfer. The verge of dying and going to hell. Mais parce qu'il avait un bon. He had a good name. Il est le premier à entrer au ciel. He was the first to come into heaven. Je déclare dans ta vie. I declare in your life. Dieu te donnera un bon voisin au nom de Jésus. Let's give you a good neighbor in the name. Si tu dis amen fort, tu reçois un bon voisin. You will receive it. Tu dis amen fort, tu reçois un bon voisin. Say I will be a good neighbor. Nous allons prier. Nous allons prier. We're going to pray. Et la puissance de Dieu va saisir 70 personnes. And the power of God is going to seize 70 people. Maintenant, écoutez-moi bien. Now listen to me clearly. J'ai prêché 6 éléments pour une vie illimitée. I have spoken about 6 elements for an unlimited life. Et le sixième élément, c'était Seigneur, délivre-moi des mauvais voisins et donne-moi un bon voisin. And the cinquième élément, c'était la provision. The sixth point was deliver me from a bad neighbor. The fifth point was provision. Écoutez-moi très bien. Listen to me clearly. La prière que tu vas faire maintenant. The prayer you're going to do now. Oublie que tu as les papiers canadiens. Forget you have Canadian papers. Ça, c'est une conférence où qui change les destinées. This is the prayer that changes destiny. Conference. Ça, c'est une conférence qui change de destin. This is a conference that changes destiny. Tu ne peux pas dormir cette nuit comme tu t'es réveillé hier. You cannot wake up tomorrow like you woke up yesterday. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Something will take place in your life. Moi que vous voyez là. Me who you see here. À l'âge de 11 ans, j'ai été déclaré cliniquement mort. At 11 years old, I was there declared clinically dead. Mort. Dead. Ma famille se retrouvait pour acheter un cercueil. My family bought the tombstone, the casket, the coffin. Ils ont acheté un cercueil pour m'enterrer. They bought the coffin to bury me. Pendant qu'on partait m'enterrer, while they were going to get ready to bury me, apparu, Jesus appeared to me. Et m'a dit, je te ramène à la vie. And said, I'm going to bring you back to life. Pour aller prêcher ma parole dans 120 nations. To preach my word in 120 nations. Je ne parle pas pour parler. I'm not just talking to talk. Je sais sur quoi je me tiens. I know on what I'm standing. Non, je ne suis pas un blagueur. When Jesus, je ne suis pas un blagueur. I'm not a joker. Non. No.
Quand Dieu m'a appelé, j'ai dit oui. When God called me, I said yes. Quand il m'a appelé, j'ai dit oui. When he called me, I said yes. Quand je l'appelle, il doit aussi dire oui. When I called him, he said yes also. He must say yes also. He must say yes also. C'est ça notre alliance. That's our covenant. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui. That's why I said to someone today. Ta vie va changer cette nuit. Your life will change today. Ta vie va changer cette nuit. Your life will change today. Si tu amènes plus fort que ton voisin, tu reçois avant ton voisin. Amen is louder than your neighbor. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Listen to me please. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Il est témoin. Je suis l'apôtre Ken. Apostle here. Il est témoin. He is a witness. J'ai vu 21 morts revenus à la vie. I have seen 23 dead come back to 21. Life. 21. Dead people. Dead people. More. Dead. More. Dead. Revenus à la vie. Coming back to life. Je ne parle pas pour parler. I don't have time to talk. Non, je parle pas pour parler. I don't have time to talk. 21 je dead. Suis allé au cimetière, je parlais. I am a man who speaks. Je suis allé au cimetière. I went to the cemetery. Et je parlais. And I spoke. Le mot est sorti du tombeau. And the dead came out of the tombstone. I am a madman. Je suis un homme fou. Very mad. Très fou. Attendez. Mad. Fou. Je suis, il y a le fou du marché et le fou du carrefour. I am crazy of the crazies. Non, il y a le fou du marché. There is the crazy of the marketplace. Et le fou du carrefour. And the crazy of the junction of the shop. Two kind of mad people. There's two type of mad people. The mad of the market and the mad of the junction. I am the two combined. Just, I'm very mad. The two combined. Je sais de quoi je... I know what I'm speaking about. Quand je dis que tu es béni, when I say you're depressed, peu importe la personne qui t'avait maudit, regardless of who will curse you, la bénédiction descend dans ta vie. The blessing comes down on your life. Ça descend. It comes down. Descend. It comes down. Ça descend. It comes down. Attends, tu vas voir. Listen, you're gonna see. Dès demain avant 14h. Tomorrow before 2 o'clock. Ton téléphone va sonner. Your phone will ring. Et tu vas avoir un miracle au bout de ton téléphone. And you will receive a miracle by phone. Aïe 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 aïe. Shapa ba 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 ba. Ebra gada gada. Ingo do robosha. Quelqu'un dit amen. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. Say amen. Demain, je vais vous donner les témoignages bêtes. Tomorrow, I'm going to give you crazy testimonies. Je voulais juste introduire. Tonight is to introduce. Ah, pour te connaître. Demain. Hey, l'autre, c'est on met dans la poche, non? Quelqu'un va mettre quelque chose dans ta poche avant de crédit. Somebody is going to put something in your pocket before. Si tu dis amen fort, ça va arriver. Amen, say amen loud. Laissez-moi clôturer. Je peux avoir deux paniers ici là. Un panier de couleurs différentes. J'ai envie d'expliquer quelque chose et on va prier. N'importe quoi, quelque chose pour mettre, même chaise, panier. À certaines minutes, je t'explique quelque chose et on prie. Please give me a chair or something. Mon message est fini parce que je veux qu'on prie pendant 3 minutes seulement. I want us to pray for 3 minutes alone. Et 70 personnes vont tomber, vont être saisies par l'onction. And 70 people will be seized by the anointing. Ok, c'est un truc différent. Ok, bon, je veux deux choses différentes. Apporte-moi ça. Non, non. Voilà, ça c'est là. Ça c'est là. Voilà. There we go. Tout le monde voit ici. Everybody sees that. Oh, bah, attends, je ramène ça ici. Mon interprète porte ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète? Toi, tu portes la chaise. Moi, je porte. Tu vois la différence, non? Yes. Toi, tu mets ça ici. And I will put this here. Voilà. Écoutez bien. Listen clearly. Un jour. One day. Un jour. One day. Un homme
Au Cameroun, buvait l'alcool. A man in Cameroon. Il buvait l'alcool. He was drinking alcohol. Et il était déjà devenu comme quelqu'un qui a perdu la tête. And he had become like somebody who lost their head. Il avait trois enfants et une femme. He had three kids, one wife. Il buvait tellement que finalement sa femme a décidé de partir. He drank so much his wife decided to leave him. Sa femme a dit, je ne peux plus supporter. She said, I cannot support him anymore. Je vais partir. And I'm going to go. Quand la femme a décidé de partir. When the woman decided to go. Le monsieur a dit qu'il va aller se tuer, se pendre. The woman said, the man said he's going to go and kill himself. Mais avant d'aller se pendre, il est allé voir son ami. But before that, he went and see his friend. Il a dit, je suis fini, je veux mourir. He said, I'm done, I want to die. L'alcool m'a tué, je veux seulement, ma vie n'a plus de sens. Alcohol killed me, my life makes no more sense. Son ami lui a dit, his friend said, avant de mourir, before die, va chercher un marabout ou un prophète. Go see a marabout or a prophet. Et qui va te dire ton avenir? To tell you your future. Et tu vas décider. And then you can decide. Il a dit, okay. He said, okay. Comme un bon Camerounais, il allait chercher plutôt le marabout. As a good Camerounais, he went to see a marabout, witch doctor. Il arrive chez le marabout. Then he went to the witch doctor. Il dit, Monsieur le marabout. He says, Mr. Witch doctor. Hey! Ah, moi, je veux mourir. I want to die. Consulte d'abord ma vie. But I want you first to consult my life. Est-ce qu'il y a l'espoir ou il n'y a pas? Is there hope or not? Il était même ivre quand il parlait au marabout. He was even drunk when he was talking to him. Le marabout dit, OK. And the witch doctor said, il dit que, apporte-moi. Le marabout a pris le lézard. Lézard. He took a lizard. Un lézard. Lézard. Lizard. Yes. Le marabout, tu vois le lézard ici. You see, you see this lizard. Il dit, le livreur dit, oui, je vois. He said, yeah, yeah, I see it. Le marabout a pris un panier. He took a basket. Il a mis ici là. He put that like that. Il a pris un deuxième panier. He put a second basket. Il a mis là. And he put it there. Il a pris le lézard. And he took the lizard. Il dit au monsieur là, regarde le lézard ici. He said, look at this lizard. Je vais déposer le lézard ici. I'm going to put the lizard here. Si le lézard ici vient dans le panier site. If it goes in the basket, ça veut dire qu'il y a l'espoir pour ta vie. That means there's a hope for your life. Tu peux vivre. You can live. Mais si le lézard vient de son côté, but if the lizard goes on that side, ta vie est finie. Your life is over. Tue-toi seulement. You just kill yourself. Tu comprends? You understand? Le monsieur dit oui. He says, okay. Le marabout prend le lézard. And the witch doctor takes the lizard. Il pose le lézard ici. Jack. He puts the lizard there. He's attend. And they're waiting. Le lézard commence à marcher. And the lizard starts to walk. Cogna, 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 cogna. Et le lézard va vers là où il y a le bon panier. And the lizard starts to go where there's the good thing. Cogna, cogna. Et le monsieur était content. And the man is happy. Le lézard avance. And the lizard's going. Le lézard avance. And the lizard's going. Sur le point d'entrer dans le panier. And when he's about to go. Je ne sais pas ce qui arrive. We don't know what happened to the lizard. Le lézard fait chlouk. The lizard went like. Le lézard commence à aller vers le mauvais panier. And he's going towards the wrong basket. Le marabout et le monsieur étaient ici là. And the witch doctor and the guy is there. Ah, il regarde le lézard. And they're looking at the lizard. Le lézard va par là-bas. And the lizard's going by there. Le monsieur a bondi. And the guy jumped and he stopped the lizard. Il a attrapé le lézard. And he grabbed the lizard. Il est venu jeter le lézard dans le bon panier. And he threw the lizard in the other place. Le marabout. And the witch doctor, le regard, he looked at him. Il dit, qu'est-ce que tu fais? He said, what are you doing? Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? L'ivrogne dit au marabout. And the drunk man said, je suis fou, mais je ne suis pas stupide. I'm crazy, but I'm not stupid. Je ne peux pas rester ici. I cannot stay here. Je vois comment ma vie va dans le mauvais and panier. I see that my life is going. Et je regarde ma vie and I'm just looking at my life. Si le lézard ne connaît pas le bon panier, the lizard doesn't know the right je vais way. Lui montrer le bon panier. Show him the right je vais prendre way. Ma vie et je vais mettre dans le bon panier. Right aujourd'hui, peut-être ta vie allait dans le mauvais panier. Maybe your life was going in the tu vas direction. Prendre ta vie. You gotta take your et tu vas mettre dans le bon pain. Put it in the right place. Peut-être ton mariage. Your marriage. Ton mariage. Your marriage. Allez dans le mauvais panier. Ce soir. Tonight. Quelqu'un dit je prends mon mariage. Your marriage. Tout le monde dit je prends. Hey. Et je mets dans le bon panier. Put it in the right place. Quand j'ai dit le travail, tu dis je prends et je mets dans le bon panier. And I put it in the right place. Le travail. Work. Le mariage. Marriage. Plus fort. La gloire. The glory.
La richesse, the riches. Les enfants, children. Pendant que tu dis, I'm taking. À partir d'aujourd'hui, je prends ton mariage, je mets dans le panier. Je prends ta santé, je mets dans le panier. Je prends ta gloire, je mets dans le panier. Je prends ton avenir, je mets dans le panier. Somebody said, take. Si je prends. Say, take. Si je prends. Ah! Yeah, 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 yeah. Ah! 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 Lève la main. Lift your hands. Si mon père, mon père. Say my father, my father. Dis plus fort, mon père, mon père. My father, my father. Je ne suis pas venu regarder ma vie tomber. I did not come to see my life fall. Ce soir. Tonight. Ce soir. Tonight. Il n'y aura plus de limites dans ma vie. There will no longer be limits in my life. Plus de limites dans mon ministère. No more limits in my ministry. Tellement bien, parce que comment va prier maintenant? We're going to pray quand now. Quand je vais dire de prier, tu vas frapper les mains en priant. When you're going to pray, you're going to clap your hands while praying. Tu vas prier en frappant les mains. You're going to pray while clapping your hands. Je t'explique pourquoi. And I'm going to explain you why. Frapper les mains. Clapping your hands. Vient du de l'hébreu takish. Comes from the Hebrew takish. Takish en hébreu veut dire frapper les mains. Takish, speaking of clapping your hands. Et takish veut dire means écraser l'ennemi jusqu'à son repère final. Crushing the enemy until he is done. Donc quand tu pries en frappant les mains, so when you are clapping like that, tu es en train d'écraser l'ennemi. You are crushing the enemy. Écraser les problèmes. Crushing. Tu écrases la maladie. Crushing. Tu écrases la souffrance. Crushing. Tu écrases le malheur. Crushing everything. Nous allons prier. We're going to pray. Nous allons prier. We are going to pray. Tu vas prendre ta vie. You're going to take your life.
et tu vas mettre dans le bon panier. You're gonna put it in the right tu vas prendre ta famille. You're gonna take your family. Tous ceux qui n'ont pas sont pas sauvés dans ta famille. Everybody here was unsaved family members in your life. Ta famille n'est pas sauvée. Your family is not ce saved. Soir, tonight, ta famille sera sauvée. Your family will be saved. Ta famille sera sauvée. Your family will be saved. Tu es là. You are there. Il y a les dossiers que tu attends depuis. And there are files that you're waiting les prophéties for. Que tu attends depuis. Prophesies that prophecies that you're waiting tu for. Prier. While you're going to pray. Le miracle va arriver cette nuit. The miracle will certainly le come. Le miracle va arriver cette nuit. Your miracle will come this night. Est-ce que quelqu'un peut crier amen fort et on va prier. Somebody scream amen loud. Écoute-moi. Listen. Écoute-moi. Tu vas prier comme quelqu'un qui a perdu la tête. You're gonna pray like somebody who lost their head. Personne ne reste sur place. Tu vas prier en marchant. You're gonna pray while walking. Si tu peux bousculer, if you can shock and push somebody, push them, push them. Tu vas prier avec la violence. You're gonna pray with violence. Seigneur, Lord, a des limites dans ma vie. Take the limits in my enlève life. Enlève les limites dans ma vie. And push the limits enlève in my life. Enlève les limites dans ma vie. Remove the limits. Je veux fonctionner comme Dieu. I want to function like God. Je veux fonctionner comme un roi. I want to function like a king. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Quelqu'un dit fire. Somebody say fire. Dis oh Dieu. Say oh God. Enlève les limites dans ma vie. Remove the limits in my life. Pendant que je prie. While I pray. En frappant les mains. While clapping my hands. Enlève. Remove.